C'est comment, raconte, hein. Quoi, raconte? Bah, je sais pas, ça fait une semaine que t'es en cours, t'as dû te faire des copains quand même, non? Oh là. En tout cas, il y en a un qui s'est fait plein de copains, c'est Nido. Hein? Tu t'es fait combien de copains cette semaine? 8. 8 copains? Waouh, wow, c'est à toi d'aller vers les gens. C'est pas eux qui vont venir vers toi. C'est comme ça que ça marche, hein? Mais ouais, c'est bon, je vais vers eux. Mais il est timide. Ah oui, bah, il est timide. Je sais, mais bon, moi aussi j'ai été timide dans ma vie, mais ça va, à un moment donné, faut s'ouvrir. Mais c'est bon, on va arrêter de nous saouler. Juste un truc. Tu vois les mecs qui montent leurs quéquettes en cours, dans le collège. Ben non, mais c'est vrai. Les mecs qui montent leurs zézettes en cours, c'est des mecs qui ratent leur vie. Et ça, je te le garantis, je peux te dire que j'en connais un. Hein. Ben aujourd'hui, c'est un... C'est un clochard, quoi. Un peu comme ton oncle. Tu seras bien triste quand je serai parti, va. Faut que je me muscle un peu plus les cuisses. Mais pourquoi? Moi j'ai 8 amis, lui il a 0 amis. Pourquoi? Parce qu'il est timide. Pourquoi tu es timide? Ça sert à rien d'être timide. Tu peux rentrer? Ouais. Pourquoi tu ramènes pas des chocolats demain au collège? Des chocolats? Ouais. Comme ça, à la pause, eh ben, t'en proposes à un élève, tu lui demandes son prénom, et puis t'engages la conversation. T'as cru que j'allais aller à l'école avec une boîte de chocolat et demander aux gens que tu es ton ami? Bah oui, pourquoi pas. Mais tu m'as pris pour un bouffon, quoi. Vous avez faim? Moi j'ai des roches. Ils ont mis ça sur le site. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas les films d'horreur. Mais le A, il est génial. Il était même pas peur. Mais le A, il faisait pas peur. Je te jure qu'en plus, sa mère, genre, ils ont une gouvernante chelou et tout, qui est un peu comme. Qui a les mêmes idées que sa mère. Sur ce qui pollue, genre les nitrates, les sulfates, toutes les particules, comme ça. T'es pas trop rapide, j'ai pas compris. Tu comprends, enfin, tu parles pas du tout en fait. Enfin, moi je vais pas me mettre avec quelqu'un qui comprend rien. On a pris, c'est une boîte de 30, prends-en, c'est mais bon. Mais non, c'est bon, on en veut pas, bon, dégage. Va faire tes coloriages. Dis-moi. Mais tu fais quoi là? Passe-moi ça. Tu veux la randonner, donc je randonne. T'as pas osé? Faut se calmer, hein. Tu m'en donnes? À moi? Je donne pas au voleur. Tout le monde s'est servi à part moi, ça va. Et c'était quoi? S'il vous plaît. Oh, un peu de silence, s'il vous plaît. Oh là là, mais Charles est à l'heure. Ah, d'accord, je fais la bise. Vous allez à votre place là maintenant, hein? Allez, on fait un petit peu de silence. On reprend où on en était la semaine dernière. Qui est Astrid? Astrid, c'est quoi ta soirée? Mystère. Oh là là, fais ça moi. Arrête.
arrête de faire ta meuf. Vas-y, vas-y, bouge. Vas-y, rentre chez toi. Ça va? Ouais, salut toi. Ah ouais, t'es nouveau, t'es bien. Ouais, ça. Bon, bah, je m'appelle Constantin. Ça fait 3 ans que je suis dans cet établissement. Donc, ça, je connais bien. Hein. D'accord. Bon, et d'ailleurs, je voulais te dire, tiens, ça, faut que tu me rendes ça demain, signé. Voilà. Et c'est quoi? C'est une inscription pour la chorale du collège. Ah, c'est obligatoire de s'inscrire? Bah, non, mais déjà, j'ai un petit problème, c'est que. Disons qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'inscrire pour peu de place. Donc, voilà quoi. Bah, alors, je crois que ça m'intéresse pas trop en fait. Ouais, mais par contre, il va falloir que tu me répondes tout de suite. Et parce que voilà, disons que demain il sera trop tard. Bon, bah. Alors, non. Tu sais, c'est un engagement pour 1 an, faut pas, ça se prend pas à la légère. Hein. 1 an, c'est beaucoup de jours. Donc, tu prends le temps de réfléchir. On a tout le temps que tu veux. On n'est pas du tout pressé. Et comme ça, quand t'es décidé, bah, tu vas à la maison, on prend un café et on en parle. Ok, bah alors. Elle nous voit. Tu sens qu'il y a une boîte de chocolat? Ouais, t'en veux? Je peux en avoir, vas-y. Et ça va, ça s'est bien passé cette journée? Ouais. Oh là là, un chocolat de luxe en plus. Bravo, c'est gros porc. Ouais, je fais un peu c'est pour ma famille, ouais. Et sinon, tu viens d'où? Moi, je viens du Havre. Ah ouais? On bat les couilles. Ah, non, mais pourquoi t'es venu habiter à Paris? Ah, parce que c'est pour le boulot de mon père, j'ai pas trop le choix. Et tu kiffes Paris? Ouais, j'aime bien, c'est cool. Vas-y là, j'ai envie de bouger là. Bon, chez toi? Non, c'est ma mère, trop long. Bon, chez toi alors? Je peux pas y aller, ma mère. Tant mieux, comme ça on la baise. Ça, c'est vulgaire. Alors, rigole toi. Je préfère pas parler de ta mère. Non, sérieusement, on va où? Bah, souvent, on peut aller chez moi. Hein. Y'a personne. Moi aussi, t'habites où? J'habite pas loin, dans le 15e. Vas-y. Pourquoi on va chez moi? Vas-y, moi ça me va. Hein. Mais reste tranquille, toi, frère. Vas-y, tu vas pas prier, frère. Tu t'aimes pas? Tu viens pas? Ah ouais, tu restes ici, toi. Déjà, c'est pas chez toi. Non, mais on t'aime pas. C'est pas chez toi, déjà. Ok, t'es moche. Très mal, juste en Asie avec son haleine de chameau. Tu m'invites ou quoi? Oui, mais bon, là, on est trop. Ah, c'est bon, ouais, on est trop. Bon, je respecte. Je vais chercher mes affaires. Ah, okay, ouais, sinon, tu sais, t'es nouveau, fais-toi des amis. Hein. Faut pas rester tout seul quand même dans son coin, c'est pas bien. Ouais, je comprends. Vas-y, salut. Salut, à demain. À demain. Tu sais, je suis allée pour la chorale. Viens. Vas-y. Est-ce ta chance, hein? Non, ouais, mais elle va pas rester comme ça. Guette les autocollants. Ça se voit que t'es mal rose. Tu kiffes le rose? Grave, je te jure. Non, mais faut pas faire attention, c'est les anciens locataires, ils ont laissé la chambre comme ça, ils avaient une fille. Ouais, ouais. T'es d'appeler où? Bah, un cousin. T'en veux? Merci. Genre, tu lui en proposes alors que c'est les siennes. Ah, attends, j'ai une blague. Ah, vous allez rigoler. Genre, c'est un mec, il rentre dans une boîte de nuit, tu vois. Il s'assoit et tout, il commande. Il commande une bouteille de champagne. Et le serveur et tout, il est là comme ça, il fait: c'était pas vous avez pris une bouteille de champagne hier, vous l'avez pas payé? Qu'est-ce qu'il répond le client? Champagne. Pourquoi je rigole? Bah à la fin quand il dit champagne. C'est marrant. Ah mais pourquoi t'as rigolé? Qu'est-ce que t'as compris là? Bah quand il dit champagne, c'est marrant. Pourquoi vous avez rigolé? On le charrie. Bon, t'as pas une play lancée chez Une console? Une PlayStation. Ah ouais, en plus je crois que je sais où aller. Le feu B va devenir orange. Le feu A, il devient quoi, lui? Je te dérange 3 secondes. Bonjour.
Bonjour, asseyez-vous. Je vous présente Aglaé, nouvelle élève, qui va être là cette année avec vous. Est-ce que quelqu'un peut l'aider à rattraper les cours de la semaine dernière, s'il vous plaît? Ok, je vais vers Émilie. Voilà. Merci, à plus tard. Au revoir. Le feu B donc devient orange. Le feu A, lui, ça va lui arriver. Il va devenir... Ah monsieur, je sais, il va devenir blanc, comme vos cheveux. On l'a dit, tu m'as coupé avec toi. C'est gentil, si tu penses que je te fais la photocopie. Ça va? Ouais, ça va. Tu dois être Aglaé. Ouais, c'est ça. J'ai appris des nouvelles, ça va, tu prends tes marques, tu repars tes repères. Ouais, ça va, merci. Donc, ouais, je m'appelle Constantin. Enchanté. Ça fait 3 ans que je suis là, dedans, machin. Et bon, en gros, si tu as besoin de quoi que ce soit, bah, je suis là, hein, si tu veux. Okay, ça fait 3 ans que je suis ici, donc ça, je connais un peu. Hein, voilà, c'est... Voilà. Ok, non, pourquoi pas, ouais. Mais c'est con, ça. Est-ce que vous verrez de vous moquer d'elle, là? Si vous foutez sa gueule, elle est dehors. Mais t'es foutre ou quoi? Si vous voulez vous moquer de quelqu'un, vous moquez-vous de moi. Eh, hey, dehors. Ça ferme ta gueule, toi, casse-toi. Ça m'attend pas, ce que tu dis. Ça m'attend pas. Non, oh, voilà. Ça va, je crois. Donc voilà, donc je vais juste venir. Ouais, après ça. Salut. Je vais te dire autre chose, tu vois. C'est important. Hein. Tu vois, s'il y a des gens qui s'en prennent à toi ou mentalement, physiquement, hein, ouais. C'est la même chose. Hein. Qui te forcerait à faire des choses que tu vas pas faire. Ou... Te laisse pas faire surtout et préviens-moi. Je m'occuperai d'eux. Mais de quoi tu parles en fait? Bah, ça arrive que parfois tu sais, t'as des personnes qui sont immorales qui vont pouvoir venir te voir, venir, oh Aglaé, et te mettre un crachat. Ou même te tirer les cheveux. Mais pourquoi on me cracherait dessus? Je comprends pas. Bah, tu sais, il y a des gens, ils sont immorales, hein, ils réfléchissent pas à ce qu'ils font. Comme on dit, ils réfléchissent pas à leurs actes. Mais pourquoi moi? Enfin... Enfin, je sais pas, tu vois, mais enfin. Parce que t'es nouvelle, quoi. Elle le prend pas mal, hein. Non, 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 attends, je le prends pas mal du tout. Merci de me prévenir. Si, juste. Bon appétit. Ouais, bonne. Voilà. Toi aussi. Tu ne peux pas tester, toi-même tu sais, je possède le soin. Benoît adore les Barbies. Sa chambre est rose. Qu'est-ce que je viens de vous dire là? Benoît est homosexuel. Stop. Là, je suis limite là. Je ne peux pas s'adresser. Vous vous mettez à travailler. Ok. Chut. Benoît. Aïe, aïe, aïe. Sors, Dominique. Mon verre, c'est quoi le problème là? Ta gueule. Benoît, assieds-toi. Stop, d'accord, stop, on arrête. Benoît, tu te rassois, on arrête. Tu te rassois. Non, je vous dis, là, je vais commencer sérieusement à m'énerver. Excusez-nous. T'as trouvé personne avec qui faire ton exposé?
Je trouvais Sandra, mais elle partait pour notre fille. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Dès demain, on te trouve quelqu'un d'autre. Hein. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Ça, tu comprends les cours? Ouais, c'est difficile. Bah, il faut que tu t'accroches, Johanna. Hein. Et puis, ça va rouler. Ça va rouler. À demain. À demain. Monsieur? Si tu veux te réfléchir pour un autre sujet, et moi, je réfléchis pour un autre sujet. Ok. Et demain, choisis un... toi et moi. Toi et moi. Ok. Ouais. Choisis un autre sujet. Hello. Quoi? Hello. Salut. Swedish. Ah, ok. Ah bah, salut. Ah, mais c'est... oui. Ah, tiens. Merci. Et toi? Hello. Les tombés, c'est des connards. Hein. Connards? Ouais, des connards. Qu'est-ce que c'est, des connards? Des connards, c'est des gens méchants, c'est ils sont pas gentils. Ah, ok. Ils sont des connards. Ouais. Ils disent toujours sont des choses de sexe. C'est pas... j'aime pas. Alors un point chaud, c'est un point où la chaleur est excessive et en constante augmentation. Et tout près de la surface de la Terre, elle fait fondre les roches qui sortent de la surface de la Terre sous forme de lave. Et toi? Le magma, soit à l'intérieur, vous allez voir en rouge tout à l'heure, contient différents types de gaz. Et ces gaz ils subissent une énorme pression. Alors la pression augmente, et puis d'un seul coup, les gaz se dilatent. Les gaz sortent lentement de la surface de la Terre et là on dit que le volcan entre en phase de... D'éruption. On en parlera quand on sera grand. Les paroles de chanson, c'est un homme, il dit qu'il est fatigué à courir après la fille. Il voulait la fille à côté jouer avec lui. Tu aimais? Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mon genre de musique, ouais, j'aime bien. Tu avoir une? Moi avoir une? Autre. Tout le doigt, ouais. Tu me le donnes? Ouais. Tu aimes? Ouais, mais pour, ouais, pourquoi tu me le donnes? Cadeau. Merci. Thank you.
rester avec moi. Moi aussi. Parce que je n'aime pas... je sais pas... je n'aime pas être nouvelle. Moi aussi, j'aime pas être nouvelle. Non, j'attends autre quelqu'un. Tu veux venir avec nous à notre table? Non, merci. T'es sûr? Tu veux pas venir? T'es sûr? C'est pas grave. On est là. Eh, hey, t'aurais pas vu une calculette noire? Non. Parce qu'en fait, on m'a volé il y a une semaine la mienne. Ouais. Donc si tu retrouves une calculette noire, tu m'appelles, ok? Ouais. En fait, j'avais écrit à moi derrière au Tipex. Mais celui qui me l'a volé, il a dû enlever. Donc okay. Juste, si tu la retrouves, tu peux m'appeler. Ok, je t'appellerai, mais là, je suis pressée. Ouais. Okay. Et juste, dernier truc, ça te dirait d'acheter un dictaphone? Non. Parce que ça, c'est un truc analogique, tu vois, c'est mieux que les trucs numériques, regarde. Non, j'ai pas le temps, je suis pressée. Je m'en bats les steaks de ton truc, là, et je suis pressée. La pureté du son, c'est... C'est magnifique, je regarde pour moi. Assois-toi avec nous. Il y a un peu de place. C'est pas grave, je vais aller maintenant. Je te vois là. À tout à l'heure. Toi, hein? Je peux? Ah, vas-y. Plus de l'eau? Ah, t'as bien. Oh! Eh, il est malin, prof! Eh, on va faire un petit sondage là, ok? Il a dit sondage! Ferme vos gueules! Eh, vos gueules, eh, ta gueule, toi! Eh, qui va se présenter aux élections de délégués là? Moi! C'est bien, Constantin. C'est bon, c'est bon, la gueule. Il y a que toi? Ah, vous êtes deux? Ok, Aglaé et Constantin. Eh, qui va voter pour moi, là? Eh, qui va voter pour ça? Eh, j'adore. Eh, mais attends. Eh, qui va voter pour Constantin? Eh, bravo, Constantin. Ça sert à quoi de faire un sondage alors qu'on présente même pas les programmes, hein? Eh, quel programme? Vas-y, dis-nous ton programme, toi. Dieu, je vais tout dire. Après, tu vas me donner mes idées, tu crois que je te connais pas? Bah, je crois, j'ai plein de... bah, déjà, je vais faire une chorale, hein. Tu rigoles. Et on s'en bat les couilles, ta chorale, t'as pas compris encore? Eh, tu sais quoi ton idée? T'as rien, nous, ta gueule, t'as rien. Eh, qui compte voter pour Aglaé? Bravo, Aglaé. Eh, mais franchement, je trouve que ça manque de meufs dans cette élection. Eh, le nouveau, il a qu'à se présenter. Benoît, Noah, elle est dans le parc avec les garçons. Tu venais avec nous? Avec les connards? Non, je peux pas, je dois rentrer. Ils sont gentils. Si tu venais, ils n'ont pas connards. Non, mais c'est pas grave. Je vais. Salut. Fume, tu sais pas, je prends rien, viens. Oh!
m'en occupe, je suis occupé là. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Garçon tout à fait normal. Je jouais ni à la poupée, ni au maquillage, etc. Hein? J'ai plutôt bien, la bien, petite bien. Voiture. Quoi? Viens. Quoi? Assieds-toi. Quoi? C'est que tes parents ils sont pas là ce week-end? Et alors? T'as envie d'être populaire? Bah ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Quoi? On va acheter de la tise. On va faire une énorme teuf, d'accord? Une fête? Non, non. Grosse, grosse teuf. La folie, quoi, le feu. D'accord? Ouais. Demain, tu vas au bahut. Tu dis à tout le monde, ouais, j'organise une fête chez moi samedi et tout, ça va être la folie. En plus, il y a mon oncle qui est DJ, qui est de passage et tout. Tu places bien que je suis DJ, d'accord? Parce que j'étais DJ. Okay. Moi, je vais chercher les platines à la cave. Ouais, mais le truc, c'est que je connais pas grand monde. Je suis chaud, mais c'est juste que je viens d'arriver dans l'école. Je connais personne, personne ne me connaît, enfin... C'est ça qui est bien. C'est un avantage. Comme ça, tu peux dire à tout le monde dans mon ancien bahut, c'est moi qui ai organisé les teufs. Bah ouais, mais bon... C'est chaud, quoi. Eh, hey, tu dis bien à tout le monde qu'il y a un DJ. T'es DJ? Ouais, j'étais DJ pendant 8 ans. Sérieux, je veux que cette fête, ça soit le feu. Je veux qu'il y ait du sang sur les murs. Donc, tous les petits gamins, je veux qu'ils soient bourrés, j'en ai rien à foutre. Bah vas-y, va faire une liste des gens que tu veux inviter. Invite des meufs un peu. Des classes au-dessus. Il n'y a jamais de verre propre dans cette maison. T'es sûr que tu veux rien boire? Non, merci. Bah, de toute façon, Charles, c'est un gamin. Juste de penser à lui, c'est une perte de temps. C'est. Voilà, c'est des gamineries de toute façon, ça. C'est. Tu sais, si t'entends des gens dans la classe dire que je suce mon pouce, tu les écoutes pas, hein, parce que c'est des menteurs. Wouah! C'est pas grave, ma mère, elle ramasse. Ça fait 3 ans que je suis pas allée chez le coiffeur et je me coupe les cheveux tout seul, hein. Tu veux que je te dépaissis sur les côtés? Tu veux quoi? Désépaissis sur les côtés. Non. Parce que t'en as besoin, hein. Ok. T'es sûr? Non, t'inquiète, c'est bon. Mais tu veux. Tu veux que je te joue un air? Ouais, vas-y. Vas-y. C'est quoi, ça? Bah, c'est une liste. Je fais ça depuis que je suis au CM2, moi. Liste de tous les gens qui m'ont dit du mal de moi, qui m'ont tapé, qui m'ont insulté ou qui m'ont volé des trucs. Ça sert à quoi? Bah, me rappeler. T'es bizarre. Bah, pourquoi? Et c'est quoi? Liste des gens contre qui j'ai eu des mauvaises pensées. Hitler, Madame Pérez, Charles, maman, François Prévost. C'est rien, ça. Ouais. Ok, bon, vas-y, je te fais le morceau. Ok? Attends. Vas-y. T'inquiète. Elle est un peu. Elle est pas allée au collège. Pour ceux que ça intéresse, ce sera l'occasion de se connaître. J'ai fait un plongeon. J'ai évité la piscine. C'est vraiment Pour ceux que ça intéresse, je fais une soirée samedi soir. Ah, c'est où ta soirée? Et j'ai invité toute la classe, enfin tout le monde. Parce que dans mon ancien collège, je faisais pas mal de soirées. J'étais un peu celui qui organise les soirées et tout, donc voilà. Je suis nouveau et personne ne me connaît, donc c'est normal.
Et si vous venez, ce sera l'occasion de se connaître. Parce que voilà quoi. Non mais je me dis pourquoi il y avait plein de personnes qui ont levé la main pour tout son âge. Je sais pas pourquoi. Bah le prend pas mal tu vois, hein. Le prend pas perso, c'est pas pour être méchant. Mais moi je te le dis, je pense qu'ils ont voté pour toi parce que t'es handicapé. Ah bon. Et donc? Mais oui tu parles avec un avantage qu'on n'a pas. Est-ce que tu trouves ça normal que maintenant mon élu est délégué en se disant tiens je fais quelque chose, j'ai fait une bonne action, j'ai voté pour quelqu'un qui est voilà quoi, qui est autiste. Ou l'autre version qui est normalement mieux, qui se dit tiens j'ai voté pour le meilleur délégué. C'est bah voilà, c'est. Tu viens à la fête de Benoît? Tu veux venir? Faut me confirmer à l'avance, hein. Tu veux venir à la fête de Benoît? Ah, ok, bah je vous raye, hein. Eh, vous me répondez pas, je vous raye, hein. Eh, lâche. Eh, toi, t'es pas invité. Il y a un buffet, un énorme buffet. Faut que tu me dises tout de suite, hein, parce que c'est 24 heures à l'avance. Bah, si tu veux, on y va ensemble. Ok, pourquoi pas. Donc je me moque. Je viens te chercher à quelle heure? 19h? Ouais. Le mec qui rigole en plus. Tu vois ? Ouais. Il habite où ? À côté de la tour Eiffel. Okay. Déjà, faut que je m'en demande à ma mère. Et en plus, elle a jamais voulu me laisser sortir pour aller à une fête. Elle a trop peur que je me fasse kidnapper. Hey, Johanna, je me demande qu'est-ce que t'as prévu ce week-end pour ma soeur ? Ah, ce week-end ? Ouais. Non, je vais être dans l'endroit avec ma famille. Ah ok. Mais c'est dommage. J'aurais bien aimé tout seul. C'est dommage. Mmh. J'aime beaucoup la fête. Moi aussi. Mais c'est une bonne idée que tu fais en fête. Bah ouais, mais bon, t'es pas là. Bon alors, bon week-end. Mmh. Oui, toi aussi. Merci. Bah ça. Hello. Mais t'aurais pas dû inviter toute la classe, hein. Ça va être le bordel chez toi. Ouais, clairement, ça va être le bordel. C'est le but, que ce soit le bordel. Non, mais t'as invité tout le monde, ça va être. Bah ouais. Tu t'en fous, toi? Bah non, moi, je m'en fous. C'est grand chez toi? Bah ouais, normal. Assez grand pour que toute la classe vienne. Ça va? On y va. Bon, vas-y, à plus, hein. Samedi, j'espère. Salut. À samedi. Suffit. C'est quoi? Bah ça, c'est ceux à qui j'ai demandé, mais ils m'ont pas totalement confirmé. Il y a Opaline, Nina, Hugo, Thomas. C'est quoi ça? Bah, c'est la liste. Mais quelle liste de quoi? Pour la fête. Mais qui t'a demandé de faire ça? Personne, mais c'est pour aider. Pour aider, là, tu nous aides pas, tu nous mets l'affiche devant tout le monde. C'est quoi ton problème avec les listes? Tu t'emmerdes dans ta vie ou quoi? C'est quoi cette liste? Bah, je sais pas, moi. C'est sympa ce que tu fais, c'est gentil, ok, mais c'est pas toi, tu t'occupes pas de ma soirée. Tu veux, moi, je la déchire, hein, je m'en fous. Bah, après, on va pas savoir qui va venir. Tu sais, j'ai une petite idée, on pourrait inviter un clown. Ok, ok, stop, t'arrêtes là, ok. Il y aura pas de clown à ma soirée, ni de magicien. Et tu arrêtes là, tu t'occupes plus de rien. Regarde comme c'est beau ça, regarde. Ça sert à quoi ça? Le propriétaire de la Renault Chama a des prières de se manifester. Coco Bongo, Coco Bongo, Coco Bongo. C'est une merveilleuse parfum. Vu l'heure, hein, je pense qu'il n'y a plus personne qui viendra. Hein. On peut commencer. Commencer quoi? La fête. Allez, le premier. Allez, le premier. Prems. Wouhou. C'est qui? Une fille. Ah, salut.
C'est toi qui pue. Hein. C'est moi. Ah ouais. Ouh. Ouh. C'est que cette danse. Elle est vraiment handicapée. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Et vous voulez que je vous serve un truc à boire et tout ou... On n'arrive pas à ouvrir la capsule. Vous n'arrivez pas à ouvrir la capsule? Ouais, on veut du panache. T'en connais toi, Deban? Bah oui, quand même. Bah voilà, je connais pour me défendre, tu vois. Vas-y, balance une. Par exemple, si Charles il te dit « tu me casses les couilles », réponse « parle pas des absents ». Parle pas des absents? Bah oui, comme s'il n'y avait pas de couilles. Ah, parle pas des absents. Ok, genre il a pas de couilles. Dis-moi « tu me casses les couilles ». Tu me casses les couilles. Parle pas des absents. Elle est bien, non? Elle est très très bonne, celle-là. En plus, elle marche bien. Hein. Ouais. C'est quoi alors l'histoire? C'est qu'il y a un mec qui vous fait chier au bahut? Ouais, Charles. Il vous charrie, c'est ça? Il est méchant avec vous? Ouais, lui surtout, là. Ouais, surtout, voilà. Par exemple, s'il dit que tes chaussures, elles sont moches, tu réponds quoi? Bah, que c'est pas vrai, qu'elles sont belles. Mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Si un mec, il te charrie sur tes chaussures, faut pas que tu regardes tes chaussures. Si un mec te charrie sur tes chaussures, tu regardes les siennes. Tu vas chercher un truc à dire sur lui. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oh, enfin, ouais. Non, tu comprends pas. Vas-y, vanne-moi, je te donne un exemple. Balance-moi une vanne, vas-y. C'est quoi si je suis un tout pourri là? Dis-moi le magasin où tu l'as acheté, comme ça j'irai jamais. Parce que tu vas dans les magasins toi acheter des vêtements? Je pensais que tu les piquais à des clochards morts. Tu vois, je t'ai renvoyé le truc. Des clochards morts. Je t'ai mis l'attention sur toi. Bon, ok, j'ai compris. Va, balance-moi une vanne. Dis-moi, le buffet, ça va te suffire pour toi tout seul ou tu veux qu'on aille faire d'autres courses? Toi-même. Et con quoi? Miroir. C'est nul toi-même. Bon, ok, vas-y, recommence. Dis-moi, est-ce qu'il y a des moments dans la journée où t'as pas faim? Il y a des moments où t'éprouves le sentiment de satiété? Ouais. Ouais, quand je suis avec ta mère. Bien, ouais. Sous la médaille de la là, franchement, bravo. Voilà, t'as compris le truc. J'aime bien chanter, genre, seul et tout, dans... enfin, voilà, quoi. Mais chanter devant tout le monde dans une chorale et tout, enfin, c'est la honte, un peu. Ouais, il a raison, c'est la honte. Moi j'aime bien chanter, mais je chante toute seule. Pas envie de chanter devant des gens, y'a pas moyen. C'est pas logique, ça, tout le monde aime chanter, mais pourquoi on chante pas tous ensemble? C'est pas logique. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas logique, c'est pas logique. Hey, vous voulez pas faire un peu moins de bruit? Eh, hey, je me lève tôt, demain j'ai rendez-vous à 14h. Bah, c'est pas tôt 14h. C'est quoi ce gâteau? Oh, le vent. Hey, il sent le chimique. Oh, c'est marrant. Ouais, ça fait rire. Alors les gars, soyez un peu sérieux. Franchement, respectez un peu le travail, je vais me coucher. Donc un peu mollo. Ouais, c'est quoi le code, Benoît? Benoît? Quoi? Le code. Pourquoi, c'est qui? C'est, ouais, bah, Johanna... Quoi? La fête, elle est finie, ça sert à rien que tu montes, hein. Mais t'es fou, fou quoi, donne. Allô? Allô? Bande de bouffons, ouais. Ah oui, tu as cru. Elle est au virgule. Le pire, c'est que je savais. Il manque plus que du rouge à lèvres. T'es trop belle. C'est fini? Ouais. Allez, maintenant, toi, tu fais le mec et fais la fille, vous embrassez maintenant. Allez. Oh, je fais pas ça. T'as perdu un ni oui ni non, vous embrassez. C'est quoi, c'est malade. Mais un gage, c'est un gage, hein. C'est jamais ça. Allez, à toi. T'aimes bien ce jeu? Absolument. Tu crois que t'es fort? Bah oui. Oh merde. Mais t'as fait exprès de perdre, moi. Je l'ai fait exprès, mais juste que j'étais pas prêt. Bah arrête, t'as fait exprès. Non, j'étais pas vrai, j'ai dit... T'aimes les gages ou quoi? Tu aimes pécho ou... N'importe quoi. Tu veux rien faire avec moi? Tu te crois trop puissante, hein? Ok, bah sors si tu veux rien faire avec moi. Non, je suis pas ton chien. Je vois pas pourquoi je sortirais. Bah assume alors.
Assume quoi? Bah assume, mais t'as fait exprès de perdre. Non, tu te crois trop puissante. Non, c'est toi, sors, vas-y. Bah sors sinon. Bah non. Assume ou sors. Assume quoi? J'ai rien à assumer. Ok, vous êtes prêts? Votez pour moi! Je suis un menteur, un tricheur, un voleur! Ceux qui dépensent des rumeurs sur les gens, parce que j'aime mentir. Tout simplement. Par exemple, faire croire qu'un élève suce son pouce alors que c'est totalement faux. Ou mettre une crevette dans le sac à dos d'un élève pour faire croire qu'il pue. C'est intelligent. Je m'appelle Sam. Votez pour moi si vous voulez un nul! T'es un génie, toi. Par contre, les gars, si jamais quelqu'un apprend que c'est moi qui a fait la vidéo, je suis mort. Donc, interdiction de dire que c'est moi qui a fait la vidéo. Mais tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont pas savoir que c'est toi qui l'as faite, la vidéo? Mais t'es con, quoi. C'est cramé que c'est toi qui l'as faite, la vidéo. Elle est bien faite, toi, quand même. Ah ouais, hey, vous pète la gueule. Fait du bruit. Père de Charles. Ok, vas-y. 0-0-6. Ouais. 87. Ouais. 21. Ouais. 72. Allô? Allô? Oui, allô? Wesh, vous pouvez me passer Charles là? Vous êtes qui, monsieur? Oh, vas-y, parce que c'est pour la livraison là. Livraison de quoi? Tu me racontes. C'est pour la livraison des 40 grammes, wesh! Oh,
Attendez, attendez, je fais à ma mère. Allô, je fais à ma mère, chut. Il est trop con. Je fais à ma mère. Ouais, maman. Mais t'es con. S'il vous plaît. C'est bon, monsieur, on peut arrêter maintenant. C'est moi qui vais gagner. Charles. Ouais. Et Charles. Charles est élu. Là, c'est pour vous dire à tous que je vais tout faire pour être un bon délégué. C'est-à-dire? Bah, foutre la merde. Je sais pas, des classiques. Très bien. Qui est-ce que tu nommes comme suppléant? Dis-moi, moi. Eh, Charles. Il est où, du cobu? Du cobu. Très bien, en cours. Ok. And get your books. Alors, t'as quoi? Une angine. Je crois franchement pas, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Tu te souviens, quand Charles, aux élections, il avait dit ouais, mon suppléant, c'est du cobu. Bah oui, je me souviens, c'était hier. Ouais. Donc c'est moi son suppléant. Ouais. Ok. Faut trouver un moyen pour que Charles il soit envoyé du collège. Comme ça, c'est moi qui deviens délégué. Je dis que c'est toi mon suppléant. Ouais. Je disparais du collège, tu deviens délégué. C'est simple comme bonjour. Ouais, mais quand ça fasse pas, c'est compliqué. Tu disparais, mais tu vas où? Bah, je reviendrai sous un autre nom, je sais pas. T'inquiète pas pour ça. Ouais. Tu mets en cours ou pas? Non, ma mère va me faire chier. Toi? Ouais, j'arrive. Ok, salut. T'as trop de chance. Ça me saoule de retourner en cours. Hein. T'as qu'à être malade. Ouais. Tu veux pas me contaminer? T'es malade ou quoi? Bah non, justement. Comment? Bah, je sais pas, avec la salive. Ça a un problème, hein. Mais tu veux ou tu veux pas? Bah non. Bah pourquoi, t'as peur? Pourquoi j'aurais peur? Bah je sais pas. Bah de toute façon, tu vas pas tomber malade comme ça. Ouais, je sais pas, faut essayer, quoi. Bah essayons. Merci. De rien. Salut, Edmond. Ouais, salut. Tu les invites pour ta soirée. Oh, tu les as pas reçus? Bah non, tu n'auras pas de. Oh, dommage. Pourquoi vous faites vos meufs là? Genre, tu les invites pas. Tout le monde veut venir à sa soirée, on peut pas inviter tout le monde. T'es sérieuse là? Tu nous invites pas? Non, pas invité. Arrêtez de faire les mecs étonnés, vous savez très bien. Enfin, je veux pas dire, mais bon, à chaque fois que vous êtes quelque part, vous c'est le bordel. Si tu veux pas dire, ferme ta gueule. Faites vos meufs, c'est bon, on vient pas, vous allez kiffer. Oh, non. Qu'est-ce que j'entends? T'es pas invité? Tu as commencé à me t'es pas invité. La soirée où tout le monde veut aller, t'es pas invité. Vas-y, casse-toi, gros porc. Non, mais toi aussi, t'es pas invité. Hein.
T'as que moi je suis jamais invitée. Casse-toi. Ok, je me casse. Tu veux que je me casse? Soirée de Benoît, t'as pas été invité. Soirée d'Astrid, t'as pas été invité. Si je fais une soirée, t'as pas été invité. On s'en bat les couilles. Personne va t'inviter. T'inquiète. On peut tous se mettre d'accord. Mais attends, tu comprends que Charles est un tricardé. J'avoue. Est un jeté des soirées en fait. C'est ça. Casse-toi, bouge, car bouge. Comment il est bizarre ça. Mais c'est un bébé. Mais casse-toi, tu commences à casse-toi. Casse-toi. Tu devrais faire semblant. Écoute-moi bien. Écoute-moi toi aussi. Tu devrais faire semblant de t'intéresser à une autre fille. Ça marche toujours ça. C'est-à-dire? Les meufs, quand tu les rends jalouses, elles deviennent folles. Oui, mais comment? Je vais faire quoi? J'ai vu la rendez-vous. Elle est comme une dingue. Elle croit que ça y est, c'est le rendez-vous de sa vie et tout. Et tu te pointes avec une autre fille. Une autre fille? Ouais. T'es super sympa avec l'autre fille, genre tu déconnes avec elle et tout. Et Johanna, tu l'ignores un peu, tu vois. Et ça va la rendre folle. C'est pourri ton truc. Si je m'intéresse pas à elle, elle va plus me parler. Elle va... Bah si elle aussi. Lui, il a de l'expérience, lui. L'esprit de compétition chez les meufs, c'est un truc de ouf. T'as peut-être raison, hein. Après, moi, je sais pas. Est-ce que si une meuf, elle fait exprès de jamais me parler, est-ce qu'elle pourrait... Ça se peut qu'elle utilise cette technique-là pour me rendre jaloux parce qu'en fait, elle est amoureuse de moi? Non. Bon, vous connaissez une meuf qui peut faire le coup ou pas? Moi, je connais aucune meuf, pareil. Moi, ouais. Si vous voulez, on peut demander à ma sœur. Ta sœur? T'es sûre? Elle est comment, ta sœur? Elle a des gros nichons. Bien fermes. Comment tu sais qu'ils sont fermes? Je les ai touchés. Ouais. C'est la famille, hein. Mais bizarre, ton pote. N'importe quel moment au cinéma, tu sors les billets et tout. Tu vois, tu les comptes l'air de rien. Et elle va croire, ça va l'impressionner, tu vois. Et en plus, comme ils sont photocopiés des deux côtés, elle va croire que c'est des vrais. Donc, tu vois. Malade, toi. Vas-y, range ça. Tiens, prends. Viens, il y a ma sœur. Ça va? Oh, salut. Allô, la meuf? Quelle meuf? Bah, la meuf que je dois taper. Mais tu dois pas la taper. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je vais... Je t'ai pas dit de la taper, je t'ai dit de la rendre jalouse. Comment ça la rend jalouse? Je t'ai dit ça ce matin, t'as déjà oublié? Là, ok. Tu sympathises avec lui, tu rigoles avec lui pour la rendre jalouse. Donc la tape pas? Mais non, mais non. Il faut juste qu'on parle ensemble et qu'on rigole et que tu la calcules pas. Enfin, on la calcule pas. Ouais. Tu vois? Sinon, c'est. L'esprit de compétition chez les meufs, c'est trop fort. Tu connais pas ça? Mais c'est en ta gueule. Elle connaît même pas l'esprit. Ça va vous mener à quoi de faire ça? De toute façon, le clic, c'est beaucoup mieux que le McDo. Hein, c'est... Oh, mais de quoi c'est... tu me parles? Tu m'as dit de la rendre jalouse. Hé, hey. Là. Salut, ça va? Bave quoi, elle? Comment ça va? Pelale. Comment ça va? On est en France, oui. Ça va. Oui. Merci. T'as voulu faire quoi là? Non, c'est une paille. Mais t'es sérieux toi? Ta tête. Chérie, tu prends les affaires? Non, vous sentez pas obligé, non. Non. Maman, la laisse pas faire ça. Oh, chérie. Oui, comme j'avais promis, c'est un devoir de vacances. Regarde, c'est moi qui l'ai fait. T'as pas besoin de te pencher. C'est ma préférée, je crois. En plus, je la connais cette meuf, je sais pas, je l'ai déjà vue, mais je la connais. Tu la connais pas toi? Je sais. Elle est trop marrante. Quelle chute!
qui a dit chute. Non, mais toi, ça suffit. Oui, j'ai rien compris. T'as vu quand il a fait le gars, il m'a dit chute pendant le film. Hey, ça va? T'es pas attendre quoi, trop longtemps? Non, non, ça va. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rendez-vous. T'as rendez-vous avec qui? Avec Joanne. Ok. Non, ok, d'accord. I'm sorry. Ok. Bah, c'est pas grave. I'm sorry. Je vois. T'es demain pour l'école? Ouais, d'accord. Ouais. À demain. Salut. Salut. C'est qui, lui? C'est un mec de l'école. Je cherche quoi, il fait quoi? Pourquoi il est là? Venons, là. Hey, c'est un blaireau, ce mec. Il a aucune chance, t'inquiète pas. Il s'est même pas ramené avec une autre meuf. Finalement, ça me fait comme si j'avais un vrai salaire. C'est quoi, là? Oh! Attends, je te... C'est quoi ça? Eh, qu'est-ce que t'as là? Mais qu'est-ce qui t'arrive, sérieux? Casse-toi! Vas-y, ouvre! Ouvre! Benoît, laisse-moi rentrer, c'est Johanna. Ta gueule! Benoît, j'ai les chats en feu, Benoît, ta gueule! Arrête là, arrête de faire ça là. Il s'est foutu dans les toilettes, ouais. Non mais en fait, non mais c'est trop cramé. Hé, le nouveau, pense à bout de ton Kinder. Quoi? Pense à un bout de chocolat. Ça me brise le cœur. Tu vois, un bout de Kinder? Bah oui. Partage. Mais je vais te répéter 20 fois, donne un bout. Tiens. Oh, ça m'aurait pas plu. Il fait trop ta gueule. Hey, mais il se fout de ma gueule. T'es un connard en vrai. Il faut être galant avec les filles. Ça dépend avec lesquelles. Oh, non, mais là, pour le coup, tu prends vraiment trop la confiance. Mais non, mais je suis choquée là. Hé, hey, tu fais quoi samedi soir? Tu fais quoi samedi soir? Je sais pas. Tu veux venir à ma soirée? Je sais pas, peut-être. Mais dis-le si tu veux pas venir. Bah ouais, pourquoi pas. Bah oui ou non? Je viens de te dire oui. Bon, par contre, t'es invité, mais tu vas m'acheter mon chocolat. Hein, parce que moi, je rigole pas avec toi. Tu as le bébé. Chocolat pour un jour. Salut. Salut. Pourquoi tu pas parler avec moi? Je n'ai jamais dit que je voulais pas parler avec toi. Tu es très fâché? Non, pas du tout. Tu fais comme si que tu ne voulais pas ma copine. Si, si, je veux bien être ta copine, mais c'est juste que voilà quoi. Bah, je sais pas, tu traînes avec moi, après je te vois traîner avec Charles, après avec Arthur, enfin. Je sais pas. Tu es jaloux? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est juste que voilà quoi. Mais il ne faut pas que tu aies comme ça. Parce que. Je veux que tu aies ma copine. Ma copine, c'est pas ma copine, c'est mon copain. Ok, je veux que tu aies ma copine.
Allô? Ouais, allô, ça va? Ouais. Tu veux pas qu'on aille à la soirée d'astrime ensemble? Ah, non, j'y vais pas. Pourquoi? Mon père veut pas que j'y aille, je dois garder mon petit frère. Bah, c'est dommage, hein, quand même. Ouais. Je sais pas, on va s'amuser. Mais il est trop classe et tout, ça va être trop marrant. Je veux bien aller, mais enfin, c'est mon père. C'est dommage, quand même, hein. Ouais. Bon, je t'en... Ok, juste un truc. Je t'ai fait une demande sur Facebook comme quoi on est si on est frères, donc juste clique sur accepter. Ouais, ok, je... Bye. Je suis allé en boîte, mais c'était horrible. Non, mais ouais, genre une vraie boîte, quoi. Bah ouais, il y a de bonnes boîtes là-bas. Non, mais à Paris. Non, mon oncle, DJ, il connaît plein de boîtes. Mais tu connais les planches? Les planches. C'est dans le 6. Ouais. En plus, genre, tu passes, hein. Genre, t'es pas. Faut juste s'habiller classe et pas être gauche. Bah, soir, là, sur la stream. Mais tu t'es pas invité, hein. Quoi? Bah, tu le sais très bien. Quoi? C'est une blague, là? Ouais, c'est une blague, ouais. Même toi, tu nous l'as dit que t'étais pas invité, arrête de faire genre. Mais on rigolait. Bah, non, on rigolait pas. De toute façon, c'est pas ta fête. C'est pas ta fête. C'est pas ta fête. Mais alors? Bah, c'est la fête d'Astrid. Donc voilà, je le demande. Ok? Non. Astrid! Astrid! Quoi? Je peux rentrer? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas invitée. Mais c'est Benoît qui m'a dit de venir. Salut. C'est toi qui m'as invité? Non, pas du tout. Tu devais pas venir avec ton petit frère? Non, mais je me suis arrangé avec mon père, en fait. En gros, tu voulais pas venir avec moi, en fait. Bah, si, pourquoi c'est ça? Ça. Bon, moi, je vais me chercher à boire. On se voit tout à l'heure. C'est quel âge? 12. Tu rigoles là? Elle pleure en plus, elle pleure. T'es content? Elle pleure. On a mis 4 heures à faire ce gâteau. Elle va du monde. Ça te brûle ou pas? Excuse-toi! T'es même pas invité à la base. Quoi, tu barres de chez moi? Sérieux? Tu barres de chez moi? Non, parce que ma mère elle arrive à 23h. Mais je m'en fous de ta mère, tu l'attends dehors. Non, je peux pas. Bah si, tu l'attends dehors, tu te casses. Vas-y, dehors, tu vas pas mourir. Hein. Sors. Allez, sors. Tu touches pas. Mais t'es pas avec toi, d'accord? C'est elle qui te demande là, tu sors. Bah non, tu sors. Tu sors. De toute façon, c'est pas de qui, tu dégages. Je peux pas te parler, touche pas. Mais non, c'est mort. C'est mort, tu te casses. Quoi? Non, mais parce que tu fous le bordel, regarde, à la base t'étais même pas invité. Déjà je suis cool, je te laisse rentrer, tu fous le bordel comme ça, tu te casses, c'est mort. Ta mère tu l'attends dehors. Mais ça va, c'était pas méchant ce qu'elle a voulu faire, elle a juste voulu rigoler, ça va pas marcher.
Mais je m'en fous, il se casse, c'est tout. Ouais, de toute façon, sa mère, elle arrive dans pas longtemps, elle va pas attendre dans la rue. Vas-y, ça me saoule. Arrête tes conneries, maman, ok? Enfin, moi j'arrive à prendre la pause, attends, c'est bien, tu sais, c'est un peu craignos. Genre, il y a vraiment la guitare. C'est un peu le même. Pas méchant, c'est pour rire. Ouais, je sais, t'inquiète. C'est elles, c'est des malades, elles ont pas d'humour. Tiens. Fais quoi là? Hey, fais quoi? Vas-y, mets ta tête. Non, c'est horrible. Mets ta tête. En plus, c'est un petit, une petite mèche de cheveux au bout de la capote. Mais je crois que t'as pris la grosse tête. Hein. Du pipi, du pipi. J'adore l'alcool. Bois. C'est dans la vie. Là, t'es gentil. Ah, y a des méchants. Allez, regarde-moi. Casse. Non, je me calme pas. T'as vu le bordel que t'as foutu? Quel bordel? Mais quel bordel! J'ai vu l'état de ma cuisine! Quoi, j'ai ça va, un truc, on a tué quelqu'un! Ça fait marrer de mettre une capote sur la tête d'un chat, sérieux? Mais vas-y, on s'en fout, casse-toi! Casse-toi! Fais gaffe! Je suis sous, je suis bourré! C'est de la bière sans alcool, tu te fous ma gueule là! Espèce de bouffe, vas-y, sors! Non, mais tu te casses! Tu commences à me casser les couilles là, tu te casses! On parle pas des absents? Ah oui, pas mieux! Casse-toi. Non, casse-toi. Tu te casses. Bah oui, tu sors. Arrête de nous aimer, tu sors. Rien, casse-toi. Arrête. Tu sors. Arrête. Sors. Casse-toi. Non, casse-toi. Vas-y, casse-toi. Non. Casse-toi. Hey, c'est moi qui décide de sortir. Donc maintenant, je sors parce que j'ai envie de sortir. C'est exactement ce qu'on te demande de toute façon. De toute façon, vous êtes des gamins. C'est moi qui me casse. Il y a même pas de clown dans ta soirée de merde. Ça fait une heure qu'on te demande de te casser. Vous, là. Plus qu'a priori, on n'est pas les bienvenus pour ça. Non, non, arrête. Basta. Ça fait une heure qu'on te demande de te casser. Now, baby, when you sigh, I wanna sigh with you. When you cry, I wanna cry some too. Now, ain't that love? Ouais, allô, Johanna? Oui, c'est qui? Je peux pas dire c'est qui là, c'est juste je suis avec un garçon en fait qui t'aime et il voudrait savoir en fait si t'aimes quelqu'un dans ton collège ou pas. Quoi? Bon, je te réexplique. En fait, je suis avec un garçon et il voudrait savoir si t'aimes quelqu'un ou pas dans ton collège. Allô? Eh non, c'est pas Charles, pourquoi tu cherches à savoir c'est qui? Je t'ai dit, je te dirai pas c'est qui, je peux pas dire c'est qui. C'est pas Gabriel? Oui, pourquoi tu forces? Je t'ai dit, je peux pas te dire, force pas là. Juste réponds à la question, je t'ai dit. C'est
Mais c'est. Joanna, attends, quitte pas. Elle sait que c'est toi, gros. T'es grillé, oui. Mais de toute façon, elle a entendu Benoît, elle sait que c'est toi. T'es grillé. Benoît. Elle sait que c'est. Allô. Vas-y, allô. C'est Benoît. Oui. En fait, je voulais te dire un truc. Tu te rappelles l'autre jour quand on était au cinéma? Et ben quand je suis venue avec une autre type, parce que je voulais te rendre jalouse en fait. Je te l'ai jamais dit, enfin, parce que j'avais peur de te le dire en face. En fait, je te kiffe. Kiffe? Qu'est-ce que ça kiffe? Ça veut dire, je t'aime bien. Non, mais oui, je sais qu'on est copains, on est copains et copines, mais voilà quoi. En fait, moi, je suis amoureux de toi. Je t'aime. Benoît, tu es trop ma copine. Et tu es pas mon amoureuse. Quoi? Je veux pas être amoureuse. Bon, vas-y, je dois raccrocher, de toute façon. Mais pourquoi tu lui as dit le plan de jalousie là, je sais pas quoi, t'es bête ou quoi, fallait pas lui dire. Non, t'es grillé, fallait pas lui dire. Non. Tu sais, elle était même pas blonde, hein, ta suédoise. Ça se trouve, elle t'a menti, elle est même pas suédoise. Hein. Merci, mon pote. De rien, mon pote. Tu peux venir chanter, tu chantes mal, tu chantes tout le temps faux, t'es toujours un ton au-dessus ou un ton au-dessus. Voyons, on perd pas de temps, on se met en place. It's complicated, it's always easy, that's just the way it goes. Feel like the way it is.